Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, non pas sur Blox Fruits, non pas sur Roblox tout court. On va faire un récap de l'update 20, donc tout ce qui va venir, de tout ce que je sais, tout ce que je connais sur l'update 20. Et du coup ça va être un petit récap de 10 minutes sur la date de sortie, qu'on ne sait pas encore actuellement, mais on prévoit qu'elle soit pour dans 6 jours, du coup le 1 juillet, je pense que ça va être... dans ces environs-là, mais on n'est pas encore sûr. Et toutes les attaques à venir, les gars, ils ont posté un post hier. Et les gars, ça va être insane. Je pense que cette update, elle va être vraiment incroyable. Du coup, j'ai ouvert trois fenêtres pour vous montrer un peu tous les trucs qu'il y a de différents. On va commencer avec le Twitter de Erependra, sachant qu'ils postent des sneak peeks dans leur Discord, pas souvent, mais ça se fait principalement sur Discord, sur Twitter. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à venir sur Twitter, Erypendra, vous aurez toutes les infos. Donc c'est parti, on va voir le premier sneak peek, qui est du coup, ils ont dit que tous les web, enfin toutes les armes, toutes les épées, ils ont une sorte de rework. On voit que on est passé de ça à ça, frère. Genre, attends, c'est quoi comme arme déjà? Ouais, c'est une sorte, ouais, c'est un katana quoi. C'est le katana de base. Ou non, c'est peut-être pas le katana de base. Je sais pas, il y a une dague à côté, là il y a un katana. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, bref. En gros, l'attaque, de base, c'est un tourbillon bien dégueulasse. Et là, frérot. Ouais, là, c'est beau, frère. Et là, c'est, tu vois, là, c'est stylé, là. Du coup, il y aura des reworks sur à peu près toutes les armes. Et on va bien voir sur quelles armes, principalement, dans Blox Free, quand on ira là-bas. On peut voir aussi que Shafi Dev, que je vais vous montrer juste après, a fait un excellent boulot, comme ils l'ont dit ici. Et que voilà, c'est l'employé du mois, on va dire, et qui travaille sur un fruit. Le premier fruit qui travaille dessus, ça a l'air d'être le fruit du comment dire? Allez, le fruit du Kage, genre le fruit de l'ombre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le fruit de l'ombre, ça a l'air d'être ça. On ne sait pas encore hein, définitivement si c'est le fruit de l'ombre, mais je pense que le fruit de l'ombre va avoir un bon petit rework. Parce que regardez-moi cette attaque, frère. C'est insane. J'ai rien d'autre à dire, frère, mais il y a deux sortes de loups comme ça qui sortent, frère. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on a. Il y a un autre sneak peek, mais qu'on verra chez Shafi Dev qui work sur son premier fruit, donc celui-là. Ou alors, non, c'est peut-être un autre, mais de toute façon, on verra tout ensemble. On verra tout ensemble. Du coup, ça, c'est les deux principaux sneak peek. Après, si on descend. Wesh, attends, j'ai eu un petit problème. Hop. Voilà, donc si on descend, on peut voir ici Great One. Ou accélération, donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fruit, donc le fruit de l'accélération. Great One, je sais plus c'est quoi le Great One, franchement, je vous dis sérieusement. Donc, ils ont voté pour un fruit, mais ça, bon, voilà, quoi, c'est pas spécialement ouf. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ceux-là, Celestial et le Kitsune, frère. Pour ma part, je préfère vraiment, vraiment le Celestial, quoi, il a l'air incroyable, le fruit. Le Kitsune, bah, c'est un renard. Ça a l'air d'être ça quoi, genre un renard à 9 queues ou un truc comme ça, tu vois. Donc ouais, non, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, c'est ça là. Regardez-moi ça là. Comment c'est trop stylé. Du coup, ils ont voté. Et peut-être qu'ils vont ajouter ce fruit là, du coup, sur Black Fruit. Sachant que c'est pas encore sûr. Donc c'est un fan-made, hein, les gars. C'est vraiment pas sûr, je le dis bien. C'est un fan-made, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est des fans, en gros, qui ont créé des fruits. Enfin non, peut-être pas créé, tu vois, mais ils ont proposé des fruits et en gros ils ont voté. Et donc on peut voir que le Kitsune pour l'instant il est en train de gagner contre le Celestial. Mais en tout cas moi je préfère vraiment le Celestial. Dites-moi vos avis en commentaire. Mais franchement je préfère le Celestial. Alors après on a quoi d'autre? Attends, s'il y avait un autre truc, caisse de fruits. Attends, ça je sais. Je pense pas, bah, ça c'est Venom, ça c'est sûr. Il y avait un autre truc, je pense c'était ici. Attends, je vais descendre un peu plus en bas. Donc ça. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. C'était plus en bas. Je me souviens que j'avais vu un bon petit truc. Faudrait que je vois. Non, alors c'est chez Shida. Donc ouais, non, c'est plus en haut. Donc les gars, c'est tout ce qu'il y a sur Erypendra. Et on va aller directement voir sur Blox Fruits pour donner vos avis. Donc ici, premier sneak peek qu'on a, c'est ça. Donc non, attendez. Non, ça on s'en fout un peu en vrai. Voilà, je sais pas lire l'anglais, donc enfin, j'ai l'air à moitié. C'est ça. Bonus peak. Donc c'est les villes. Les reworks des villes en gros, l'île des bases, l'île du milieu, l'île je sais pas trop, on verra bien. Attendez, j'attends que ça charge vite fait. C'est bizarre, hein. Ça bug. Ok, c'est bon. Ok. Donc, on a ça.
première île. En tout, on a 4 îles. Enfin, il y en a plus. Hein. Il y en aura plus. C'est juste qu'ils ont montré juste 4 îles pour l'instant en photo. Du coup, on va essayer de voir un peu ce que c'est. Moi, je pense que cette île, c'est l'île de Baggy. Ou alors, ça peut être le deuxième world avec les remparts ici. Mais le moulin à vent, tu vois, il me dit quand même que c'est l'île de Baggy. Je sais pas pourquoi je penserais ça. Mais en tout cas, ou alors peut-être la ville du milieu. Mais non, mais la ville du milieu, en fait, je pense que c'est plutôt. Vous allez bien le voir, attendez, hop. Donc, ouais, non, ça, je pense que c'est l'île de Baggy. Après, vous pouvez dire aussi vous aviez en com. Après, on a le bateau. Le bateau dans deuxième 6, celui de Brooke. Ça, j'en suis sûr. Les portes, elles ressemblent vraiment à ça. Regardez, Théma. C'est sûr et certain, c'est le bateau de Brooke. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, ça, c'est la factory. Je pense que c'est la factory parce que du coup, bah, on peut voir le bâtiment. Il est. Bah, c'est pas une île, quoi. C'est pas possible. Quoique. Ouais, j'allais dire Punk Hazard, frère. Ouais. Je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est trop. Non, donc ça, je pense vraiment, les gars, la factory, du coup, elle a été rework. Et je la trouve bien plus jolie comme ça, en vrai. C'est beaucoup plus stylé. Ça a beaucoup plus de punk avec la factory actuelle qui est vraiment pas top. Et ici, la dernière image qu'on a, c'est, je pense que c'est le château de glace, là où il y a actuellement... non, pas Kizaru, genre l'autre là. L'amiral de glace, donc, qui se trouve à l'avant-dernière île. 2-6-2, parce que l'escalier me dit vachement grand chose. Et là, genre, t'as la Reine Goku qui se cache derrière ici. Genre, tu passes, tac, avec la clé Reine Goku. Donc, ici, amiral de glace. Tac, on va passer directement aux autres épiques et les plus intéressants, les gars. Ceux-là, c'est vraiment les plus intéressants pour ma part. Donc, ici, je pense que ça va être Locktown. Pourquoi? Ou alors Locktown ou île de Baggy. Mais Locktown, moi je pense que ça va être ça, donc l'île du milieu. Pour ma part, je pense que ça va être ça. Pourquoi? Parce que. Attends, hop, on va fermer ça, on va se concentrer sur les trucs. Donc Locktown, parce que en gros, peut-être il y a un échafaud là, ou alors juste les escaliers, ça me fait penser beaucoup à l'anime, genre quand tu vois Luffy et Zoro ils montent, et que du coup après, bon, bah, ils se perdent, hein, mais. Moi ça va être Locktown. Je pense bien que ça va être Locktown, et j'espère, parce que la ville, les gars, elle est vraiment incroyable. Ils ont rajouté beaucoup de barils, par contre, frère, dans toutes les photos, il y en a. Donc, ouais, je pense que ça va être Locktown. Et ici, nouvelle interface, les gars, sociale. Donc, on peut voir les contours, la Cido, elle a toujours pas été changée. Ici, plutôt. Donc, Pierre Info, The Golden Dragon, donc ça, c'est le nom. Et ça, le hashtag, je sais pas. Donc là, c'est comme sur Discord, tu peux choisir, enfin, tu peux écrire quelque chose sur le mec. Et je pense que tu peux voir son clan, du coup son... Putain, ça... Attends, attends, attends. Son clan, ouais, bon, bah, son équipage, quoi. Donc son équipage, c'est Dark Crow Pirate. Il est rank admin. Et capitaine, du coup, c'est only to... bon, only 20 caractères, tout ça. T'as ses level, t'as ses bounties, t'as son profil. Tu peux l'allier et tu peux regarder Lookup. Donc Lookup, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir regarder sur lui. Non, tu vas pouvoir regarder ses stats ou un truc du genre, quoi. Non, je pense pas ses stats, ça sera un peu trop cheaté, je pense. Mais en gros, t'as les infos du joueur, quoi. Donc, ça, c'est le premier. Attends, hop. Donc, ici, je pense qu'on a tous eu la même conclusion dès qu'on a vu cette photo. Ça va être donc dans la C2, le café. Je pense qu'il a été rework. Parce que bah, ça faisait longtemps, il n'était pas fou le café en vrai, hein, dans la C2. Peut-être C3, mais non, parce que C3 c'est. Donc C2 ou C3, hein, ça dépend. Et je pense que ça va être le café, là où on achète les fruits, etc., etc. Mais là, les gars, on va passer au plus, le plus incroyable pour moi. C'est ça là. Il y a une rework sur. Donc là, on voit très bien la Shisui, Sadie et Wando. Ça c'est sûr, la Yama et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Tsushita je pense. Non attends, c'est l'inverse. Je pense que c'est Yama ou Tsushita ou alors l'inverse. En tout cas voilà, là t'as le katana de base, qui est quand même très 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 différent du katana qu'on a maintenant. Ici t'as le trident. Je sais pas si c'est le trident de l'eau ou le trident de genre Ener et tout. Evolve. Là t'as l'épée de garde à deux lames, ici. Et là t'as la dague standard et je pense que c'est celle-là qu'on a vu dans le premier sneak peek. Mais du coup, ouais, toutes les attaques et toutes les armes, les gars, de toutes ces armes-là, en tout cas, elles vont être rework. Et j'ai trop hâte, frère. Vous savez même pas comment.
Ça va être vraiment incroyable. Enfin bref, on va passer à autre chose et on va regarder ici. Donc, c'est un enchantement, comme on peut voir en haut, et tu peux mettre un fruit, par exemple, et on a des cristaux ici, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, tu as des cristaux, et si tu remplis toutes les conditions, tu peux augmenter ses damage et moins 5% du skill cooldown. Donc moins 5% de temps de recharge sur l'attaque. Donc là les gars, et tu peux encore l'augmenter. Hein. Tu peux encore l'augmenter, donc grade 0. Je sais pas jusqu'à quel grade ça peut aller, mais encore tu peux encore l'augmenter. Donc ça va être méga cheaté frère. Ça va être vraiment incroyable ce truc. Donc voilà, tu peux l'enchanter. Hein. Tu peux enchanter ton fruit frérot. Y a rien qui va. Tu peux enchanter ton fruit. Ici, on a des nouveaux trucs dans les items. T'as les scrolls, Cursed Scroll, Mythical Scroll, Legendary Scroll et Rare Scroll. Ça, je peux pas vous en dire plus parce que on sait pas encore ce que c'est, littéralement. Et ça, c'est Premium Scroll, donc je pense qu'il faudra payer pour les avoir, mais peut-être pas les Mythical, mais Premium, ouais. Donc ouais, on sait pas du tout encore ce que c'est. Alors moi, je sais pas du tout, j'ai aucune info là-dessus, donc je suis vraiment désolé, les gars. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être très intéressant. Ou alors peut-être que les scrolls. Parce que ça nous a mis avec ça, donc les scrolls, ça peut se mettre avec l'enchantement qui sera mis juste ici, peut-être. Hein, je dis bien peut-être, c'est vachement possible. Genre par exemple, la Legendary Scroll et la Mythic Scroll, elles pourraient nous. Tu vois par exemple, les Mythic Scrolls, c'est pour améliorer les fruits mythiques, les Legendary pour les fruits légendaires et rares, et c'est pour ça qu'on n'a pas de commun. Ou peut-être en bas en fait. Ouais, c'est possible, je suis un peu con. Ouais, je pense bien que ça peut être ça, ouais. Ah là 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 là, il y a trop de trucs frère. Et là, bon, bah là, il n'y a plus rien, c'était les autres updates. Donc, on va passer à Chaffee. Chaffee, qui est l'employé du mois, du coup, qui a fait ce fruit. On va descendre un peu parce qu'il y avait un truc super intéressant, les gars, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? C'est une sorte de tête. On le voit bien, c'est une sorte de tête. Et vous savez très bien. Les couleurs, c'est les mêmes, donc regardez bien ces couleurs, mémorisez bien, c'est les mêmes que ce fruit-là. Exactement les mêmes. Regardez bien les couleurs, rouge noir, bien rouge, bien bien clair, bien fluo. C'est pareil, frère. C'est pareil, donc je pense, soit c'est le Yami Rework, le fruit dark, ou soit c'est le fruit de l'ombre. En tout cas, ça va être un des deux, j'en suis sûr. Ou alors, soit c'est un nouveau fruit qu'on ne sait pas encore, le fruit des cauchemars et tout, je sais pas quoi. Pardon. Hop, et ici, les gars, just made this for block 3. One of my skill, of my favorite skill. Ça, les gars, donc on n'a pas les couleurs. Et je pense que ça nous en dirait trop, mais on peut voir ici. Donc, vous voyez, les taches là, c'est des flammes. C'est sûr et certain, je pense que c'est des flammes. Et je pense que les gars, la Reine Goku, c'est une attaque de la Reine Goku. Je sais pas ce qui me fait dire ça. Mais je pense que la Reine Goku, les gars, elle a été rework. Et que c'est cette attaque-là, précisément. Enfin, parce que je pense que ça, c'est des flammes, tu vois. Je suis pas encore sûr. De toute façon, en fait, on n'est pas sûr du tout. Donc, je pense vraiment que c'est des flammes. Reworking my first fruit. Donc, ça va être le premier fruit. Voilà, c'est celui-là. Le premier fruit auquel elle a travaillé. On n'a toujours pas les couleurs. Donc, ça, je peux pas vous en dire plus. Ça peut être Smoke. Tu vois, mais pas du tout, pas un fruit de cette envergure là, c'est pas possible. Comme ça peut être le fruit qu'on a vu juste en haut, qui est ici, celui-là et celui-là. Donc les gars, là, on a beaucoup beaucoup d'infos et on peut voir qu'il est aussi très compétent. Mais bon, et les gars, ça, attention, Sword are down now, moving to fruit. Donc les gars, les swords. Toutes les swords ont été rework, c'est déjà fait. Il manque juste les fruits. Dès que le fruit sera rework, ça sera la fin de l'update. Je pense. Et là, on a one of my favorite rework I did for Block 3. On peut voir ici, donc il y a une trace. C'est Venom. Frérot, ça, si c'est pas Venom, c'est clairement une transformation. Pour moi, c'est clairement une transformation. Peut-être pas, attends. Peut-être, attends, je m'emballe un peu vite. C'est comme ici, attendez. Tu vois, c'est trop dur à dire, toi. Ça, c'est peut-être la Tsuchita ou la Yama. Tu vois, mais c'est trop bien fait. Il y a même ici. Thanks a lot, man. Donc, il fait
encore tout ce qu'il a pris, il va dormir. Donc ça, Dark Blade, vert. Ça, on peut voir, c'est la Dark Blade. Et ça, aucune idée. Alors là, aucune. Par contre, ça, du vert et du noir un peu. C'est pratiquement sûr, les gars, c'est la Dark Blade. Après, bon, on n'a pas encore toutes les infos. On peut voir que, voilà, ça... Attendez, on va couper le son. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il sait faire à peu près, lui. Donc ça, c'est pour un autre jeu. C'est juste pour vous montrer un peu ses compétences, frérot. Démame-moi ça, gros. Comment le jeu il va être incroyable, gros. Si on a un mec aussi compétent que lui, héros. Ouais, non, ça va être insane, frère. Donc, ça, c'est ce qu'il sait faire à peu près. Voilà. Donc, ouais, non, ça va être incroyable. Et ça, c'est pas pour Black Story, les gars, je leur ai dit, c'est pour un jeu Demon Slayer. Voilà, Samson Rising from Demon Slayer, je sais pas quoi. Par contre, parlons de sang de souffrir, je pense que ça va être. Pour ma part, je pense que ça va être Venom. Ou alors, peut-être. Un reworked, un fruit incroyable. Mais en tout cas, il tient dans sa main quelque chose. Il tient, on peut le voir ici. Mais qu'est-ce qu'il tient? On dirait genre deux dagues. Qu'est-ce qu'il porte des dagues, frère? Un truc. Pour moi, c'est Venom, hein, mais la couleur, ça ressemble pas à ça, quoi. Ouais, je sais pas. Donc, ouais. Donc là, les gars, le dernier sneak peek qu'on a eu de Eripendra, c'est le rework de toutes les armes qu'ils ont été faites. Donc voilà, il a dit dans son message, donc all weapon, donc outdated, genre c'est dit il y a longtemps, genre. Donc toutes les armes vont recevoir un rework visuel, donc comme vous pouvez le voir, like this one, comme celle-ci. Voilà. Donc ça c'est une vieille tornade et ça c'est masterclass, frère. On dirait c'est putain gros. J'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte. Attends, on va voir un peu les coms. Donc ouais, c'est que des wins, c'est que des wins, frère. Donc c'est pas ça, ça va être, je pense, l'arme de base. Vraiment de base. Et ce fruit-là, ça va être le fruit Kage, je pense. Parce que c'est vrai qu'il a bien besoin d'une petite rework, hein, quand même. Il est pas foufou, le fruit, il est pas folichon. Mais ouais, ou alors le fruit de la gravité. Je sais plus, attends, je sais plus où j'ai retrouvé le screen. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a un screen, attends. New fruit, ouais, ça on l'a pas encore. Voilà, attendez, hop, hop, hop. Attends, explore. C'était où déjà? J'ai été, c'était Ripindra. Donc, on va descendre. On va descendre. Il y avait un screen, donc ça, attendez, ça y a non, donc ici. Hop, the next metal local fruit, donc bleu. Bleu comme le kitsune. Je n'en dirai pas plus parce que je ne sais pas. Je suis sûr, il y a un truc en bas. Donc, ça, c'est. C'est quoi, free rework, fighting style rework. J'avais trouvé un bête de truc, frère. Genre une sorte de photo qui pouvait peut-être nous dire que le truc il était rework. Attends, je pense que c'est dans Blox Fruit. Je me souviens plus trop où c'est. Donc ça c'est le fruit Blizzard, ouais, ça on s'en fout un peu. Ah, c'est dommage, j'ai pas su retrouver. J'ai pas su retrouver du tout. C'est dommage. Putain, j'aurais dû, hein. Parce que vraiment c'était un truc de ouf, frère. Attendez, peut-être que j'ai retrouvé ici. Absolument pas. Ok, bon. Bah les gars, c'est à peu près tout ce qu'on a eu. Putain, juste voir un peu ce qu'il fait. Oh ouais, putain. Bah les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Parce que du coup, je retrouve plus du tout le screen. Mais du coup, voilà. J'espère que les gars, la vidéo vous a plu, que vous avez beaucoup d'informations, que vous avez eu beaucoup d'informations et mais comment dire, putain, que vous avez eu toutes les informations nécessaires à part la date, du coup qu'on sait pas encore, mais que je pense que ça va être le 1er juillet, comme à peu près tout le monde, le 31 juin. En tout cas, voilà, c'était mes avis sur l'update 20 de Bloxroi. Et du coup les gars, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse des vidéos du genre.
Et mettez, si vous êtes resté, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez, fait des scripts. Non, 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 on va dire, on va dire Joined August. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez Joined August en commentaire, les gars. Et j'y répondrai en premier, vraiment directement. Dès que vous le mettez, j'irai répondre aux commentaires. Genre, merci beaucoup, frérot. Comme ça, au moins, je sais qui reste jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé les gars et nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo et le live bien évidemment.